Bonjour, Jean-Paul aujourd'hui avec vous pour une nouvelle session de trading des options binaires sur la plateforme Pocket Option. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram, à commenter cette vidéo et je vous dis à tout de suite, c'est parti! Nous allons donc aujourd'hui utiliser comme indicateur les Dungeon Channel. J'ajoute quelques ajustements comme je le fais d'habitude, les différentes couleurs, les différentes périodes. Voilà, là je change en vert. Ok. Bien sûr, vous trouverez toutes les informations concernant ces ajustements sur mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Vous trouverez le lien dans les commentaires ci-dessous. Et voilà, je commence avec un premier trade en short. Pourquoi ? Eh bien, là, nous sommes sur une phase descendante. Je pense qu'elle va continuer. Et également, la MCD nous dit que c'est une tendance qui devrait continuer. Donc, c'est pour cela là, que j'ai pris une option d'achat à la baisse. Et nous allons attendre, je vais attendre le résultat avec vous. Ok, plus que quelques secondes avant la fin de ce premier trade, aucun problème, comme je vous l'ai dit, voilà, 134$ de gagné. Et cette tendance baissière continue, comme on peut le voir. Donc ça a été très très bien jugé. Premier trade de réussi, tant mieux pour nous. Cette fois-ci, pour ce trade, je vais prendre une option d'achat à la hausse. Pourquoi ? Eh bien là, parce que nous sommes sur une tendance haussière. Également, si on regarde l'oscillateur en bas, il nous montre que cette tendance devrait continuer. Donc, tous les indicateurs nous laissent penser qu'il va y avoir une tendance haussière qui va continuer. Donc, c'est pour cela que, tout naturellement, j'ai pris une option d'achat à la hausse. Également, je pense que cette tendance haussière va continuer jusqu'à ce que nous percions cette ligne médiane des Dungeon Channels. Donc, nous avons la place pour le faire et j'attends de voir le résultat final. Voilà, plus que quelques secondes. Ok, deuxième trade de réussi. Comme je vous l'ai dit, on a testé cette, on a percé cette ligne médiane. On va voir ce qui va se passer par la suite. Mais pour nous, le trade a été concluant. Donc, bien vu, bien joué. Ok, parfait. Ici, je change le montant. Et encore une fois, là, je vais prendre une option d'achat à la hausse. Pourquoi ? Eh bien, nous sommes dans une tendance haussière, comme on peut le voir avec les précédentes bougies. Je m'attends à ce qu'il va y avoir, encore une fois, un retest. Du niveau supérieur des Dungeon Channels, c'est-à-dire que donc la bougie devrait arriver monter jusqu'à cette jusqu'à ce niveau, cette ligne supérieure. Donc tout naturellement, option d'achat à la hausse et j'attends de voir le résultat final. Ok, il ne devrait pas y avoir de problème ici non plus. Quelques secondes encore juste avant la fin de ce trade. Yes, voilà, c'est bon. 485$ de gagné. Ok, donc bien vu, bien joué. Tendance haussière qui devrait encore continuer, enfin jusqu'à ce que nous approchions de cette limite, de cette frontière supérieure. Et tant mieux pour nous. Donc encore un trade de réussi. C'est parfait. Ok, là, c'est parfait. On voit qu'il y a une nouvelle tendance baissière qui est en train de se créer. Donc, tout naturellement, option d'achat à la baisse. Si on regarde ici également l'oscillateur, il nous confirme cette tendance vers le bas. Donc, plusieurs bougies rouges, tout ça, tous ces indicateurs nous laissent penser que cette tendance baissière va continuer. C'est pour ça que tout naturellement, j'ai pris une option d'achat à la baisse. Et je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de problème, donc attendons de voir le résultat final. Mes amis, encore une fois, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram, dont vous trouverez le lien dans les commentaires ci-dessous. Dans ce canal, je vous explique tous les ajustements que je fais en début de chaque session, je vous explique les différentes stratégies utilisées. Je vous donne aussi des signaux sur les mouvements et les tendances du marché. Donc vraiment, n'hésitez pas à le rejoindre.
Ok, parfait, 933$ de gagné, voilà, la tendance baissière continue, c'était bien vu, plusieurs bougies rouges d'affilée, donc là on est vraiment sur cette tendance baissière. Ok, ici, donc voilà, 933, et là, encore une fois, je viens de prendre une option d'achat à la hausse. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je m'attends à ce qu'il y ait un rebond à partir de cette frontière inférieure, de cette limite inférieure des Dungeon Channel. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait un revirement de situation, en quelque sorte, et qu'il y ait maintenant une tendance haussière qui va se créer. Donc, si on regarde également les indicateurs, le MACD nous laisse penser qu'il devrait y avoir une tendance à la hausse. Donc c'est pour ça, option d'achat à la hausse, et j'attends de voir le résultat final avec vous. Yes, voilà, bien vu, bien joué, 1179 1791 dollars. Ah là là, je perds ma langue. Ok, donc là, ça commence à devenir intéressant. 1600$ pour le montant. Et je viens de prendre encore une fois une option d'achat à la hausse. Pourquoi? Eh bien, un peu le même cas que tout à l'heure, que dans le trade précédent. Je m'attends à ce qu'il y ait un rebond vers le haut. Nous avons atteint la limite inférieure du channel. Et donc, ça devrait repartir à la hausse. Et également, si on regarde les différents indicateurs, nous sommes dans une zone de sur. Yes! Voilà, un très bon deal, même si c'était beaucoup plus tendu que je ne le pensais. Néanmoins, voilà, là, ça repart vers le haut. Mais j'avoue que sur notre deal, c'était tendu. Mais l'essentiel, c'est qu'il a été gagnant. Plus de 3000$ de gagné. Ok, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Là, je suis en train de changer le montant, voilà. Et là, encore une fois, je vais prendre une option d'achat à la hausse. Pourquoi? Eh bien, parce que je m'attends à ce qu'il y ait maintenant une nouvelle tendance haussière qui va se créer après cette zone flat qui a eu lieu. On a eu des bougies tantôt rouges, tantôt vertes. Là, ça devrait repartir vers le haut. Si on regarde également les oscillateurs, l'oscillateur, il nous donne une indication que ça devrait repartir vers le haut. Tout naturellement, moi, j'attends également que cette tendance haussière va continuer. Le MACD également nous donne des précisions que ça devrait repartir vers le haut. Donc, option d'achat à la hausse, et je croise les doigts pour voir le résultat final avec vous. Voilà, excellent, excellent trade, bien vu, bien joué, 5952$ de gagné. Comme je vous l'ai dit, maintenant il y a cette tendance haussière qui est en train de se créer. Et donc, les bougies vertes nous rapportent un excellent trade. Donc, bien vu, bien joué. Ok, et donc là, pour ce trade final, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre une option d'achat à la baisse, cette fois-ci. Cela peut paraître étonnant, mais néanmoins, on a vu qu'il y a eu une très très forte tendance haussière. Et que si là, on regarde les indicateurs, on voit qu'on est dans une zone de surachat, donc ça devrait changer, et je m'attends à ce qu'il y ait maintenant un retour vers le bas. Nous avons quasiment atteint ici la limite supérieure du channel, donc tout naturellement je m'attends à ce qu'il y ait un retour de situation. Donc option d'achat à la baisse, et voyons voir le résultat final. Oui, yes, 11 520$ de gagné, c'était juste, avec un peu de chance, mais néanmoins, voilà, le trade a été réussi pour nous. Très bien vu, très bien joué, même si, comme je vous le dis, un peu tendu. Néanmoins,
Voilà mes amis, c'était Jean-Paul avec vous avec une nouvelle séance de trading sur les options binaires sur la plateforme Pocket Option. J'espère que vous l'avez apprécié. Le dernier trade a été vraiment très très juste, mais avec un peu de chance, il a été concluant et réussi pour nous, donc tant mieux. Je vous invite à laisser vos commentaires sous la vidéo, à la liker si vous l'avez apprécié. N'oubliez pas non plus de rejoindre mon canal Telegram, dont vous trouverez le lien également dans les commentaires. Vous y trouverez beaucoup plus d'informations sur toutes les stratégies que j'utilise, différentes informations sur les ajustements que je fais. Donc vraiment, n'hésitez pas à le rejoindre. Et également, vous pouvez vous-même ouvrir un compte d'essai gratuit sur la plateforme Pocket Option. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à très bientôt. Ciao !